Dialogue numéro 1, à la rencontre de Simon. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Simon. Tu as quel âge, Simon? J'ai 8 ans. Tu habites où? J'habite à Bordeaux. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur. Et ta sœur s'appelle comment? Elle s'appelle Élodie. Élodie a quel âge? Elle a 14 ans. Ah, donc c'est une adolescente. Oui. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime Noël. Tu aimes l'hiver? Oui, et j'adore la neige. Il y a beaucoup de neige à Bordeaux? Non. Ça me rend triste. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je n'aime pas l'été. Bon, merci Simon. Je vais te laisser maintenant. Merci et à bientôt. Merci à toi et à bientôt. Salut! Dialogue numéro 2, les chiffres. Bonjour, aujourd'hui nous allons compter. Émilie va nous aider, n'est-ce pas Émilie? Oui, monsieur. Tu n'as pas l'air d'être contente. C'est difficile. Non, tu vas voir, c'est facile. D'accord. Je vais dire les chiffres. Et tu vas les épeler. Ouh, j'ai peur. Allez, on commence avec 0. Z, E accent aigu, R, O. Très bien. Tu vois que c'est facile. 1 U N 2 D E U X
Bravo, tu connais bien les lettres. Merci. 3 T R O I S. Quatre Q U A T R E. C'est parfait. 5 C I N Q. 6 S I X. Pourquoi tu as peur? Tout va bien. Oui, c'est vrai. 7 S E P T. 8 H U I T. 9 N E U F. Grâce à toi, nous avons appris à épeler les chiffres. C'était facile. Merci encore et à bientôt. De rien. Salut. Dialogue 3 à la découverte du verbe être. Je vous présente Cécilia. Elle adore la conjugaison. Oui, c'est vrai. Tu veux conjuguer le verbe être au présent? Oui. Pas de problème. Attention, ça peut être un peu difficile, non? On va voir. Je suis. S U I S. Tu es E S. Il, elle, il est, elle est E S T. Nous. Nous sommes. S O M M E S. Vous êtes. E accent circonflexe T E S. Ils, elles, ils sont, elles sont. S, O, N, T.
Félicitations, Cécilia. Tu es très douée. Merci, monsieur. La prochaine fois, je vais te donner un verbe plus difficile. Pas de problème. Dialogue numéro 4, une nouvelle rencontre au travail. Bonjour, vous êtes nouvelle ici? Oui, c'est mon premier jour. Je me présente, je m'appelle Laurent. Enchanté, Laurent. Moi? C'est clair. Et tout se passe bien? Oui, je cherche juste la machine à café. Elle n'est pas très dure à trouver. Tant mieux. Vous devez d'abord prendre l'ascenseur. Et je vais à quel étage? Vous allez au troisième étage. C'est à côté de l'ascenseur? Pas vraiment. Mais c'est où alors? Quand vous sortez de l'ascenseur, vous tournez à droite. D'accord. Je tourne à droite et ensuite... Ensuite... Vous continuez tout droit jusqu'à la salle de réunion 3B. Très bien, et c'est là? Oui, c'est juste sur votre gauche. Ah, parfait. Et si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à venir me voir. Merci, mais je pense que ça va aller. Bon, eh bien, bonne journée et à bientôt. Merci encore et à bientôt. Dialogue numéro 5, Mathieu nous présente l'alphabet. Bonjour Mathieu, je te dérange? Non, je lis un livre très intéressant. Est-ce que tu pourrais me rendre service? Ça dépend. Et ça dépend de quoi? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Mais non, je voudrais juste que tu lises l'alphabet pour nos amis.
Ah bon, eh bien pas de problème. Tu peux commencer quand tu es prêt. D'accord? D'accord. Tu es prêt? Une seconde, je finis ma phrase. Et maintenant, tu es prêt? On y va. A. B. C. D. E. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Merci beaucoup, Mathieu. De rien. Dialogue numéro 6, les couleurs de Pierre le peintre. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Très très bien, merci. Tu adores toujours la peinture? Oh oui, plus que jamais. Tu as une minute pour nos amis? Bien sûr. Pourrais-tu nous dire les couleurs que tu préfères? Bien entendu. La première, bleu. La deuxième, rouge. La troisième, vert. La quatrième, jaune. La cinquième,
marron. La sixième, beige. La septième, rose. La huitième, violet. La neuvième, orange. La dixième, gris. Merci beaucoup, Pierre. Je vous en prie. Tu veux dire quelque chose? Oui. Je voudrais dire les deux couleurs que je préfère par-dessus tout sont le noir et le blanc. Dialogue numéro 7. Pompier, quel métier magnifique. Dis-moi, Maxence, quel métier feras-tu plus tard? Je ne suis pas encore sûr, mais j'ai une petite idée. Est-ce que tu veux toujours être policier? Non, je n'aime pas les armes. Et pourquoi pas écrivain? Tu adores les livres? C'est vrai, mais je voudrais un métier plus excitant. Tu pourrais devenir pompier. Oh oui, ça c'est une bonne idée. Tu n'as pas peur du feu? Pas vraiment. Tu aimes faire du sport? Un pompier doit toujours être en forme. Oui, j'aime bien faire du sport. Est-ce que tu peux te réveiller facilement en pleine nuit? Pardon? Les pompiers doivent sauver les gens le jour et la nuit. Vous êtes sûr? Ah oui? Ça va être difficile. Pourquoi? Ma mère me dit toujours que je dors comme une marmotte. Ah, c'est vrai que ça peut être difficile. Oh, c'est dommage. Bon, eh bien, tu as encore le temps d'y réfléchir. C'est vrai. Et il y a tellement de belles professions. Je vais trouver un jour.
Dialogue numéro 8, à la découverte du verbe avoir. Vous connaissez déjà Cécilia. Elle adore la conjugaison. Oui, c'est vrai. Tu veux conjuguer le verbe avoir au présent? Oui, pas de problème. Attention, ça peut être un peu difficile, non? On va voir. J'ai A I Tu as A S Il a Elle a A Nous Nous avons A V O N S Vous Vous avez A V E Z Ils ont Elles ont O N T Félicitations, Cécilia. Tu es vraiment très douée. Merci, monsieur. La prochaine fois, je vais te donner un verbe plus difficile. Pas de problème. Dialogue numéro 9, de 10 à 20. Bonjour, aujourd'hui, nous allons compter. Émilie va nous aider, n'est-ce pas Émilie? Oui, monsieur. Tu n'as pas l'air d'être contente. C'est difficile. Non, tu vas voir, c'est facile. D'accord. Je vais dire les nombres de 10 à 20 et tu vas les épeler. Ouh, j'ai peur. Allez, on commence avec 10. D, I, X. Très bien. Et tu vois que c'est facile. 11. O. N. Z. E. 12. D. O. U. Z. E. Bravo. Tu connais bien les nombres et les lettres. Merci. 13. T R E I Z E. 14. Q U A T O R Z E. C'est parfait. 15. Q, U, I, N, Z, E. 16.
S E I Z E. Je trouve que tu es très forte. Merci, monsieur. 17. D I X trait d'union S E P T. 18. D I X trait d'union H U I T. 19. D I X trait d'union N E U F. 20. V I N G T. Grâce à toi, nous avons appris à épeler les nombres de 10 à 20. C'était facile. Merci encore et à bientôt. De rien. Salut! Dialogue numéro 10, les voyelles. Bonjour Mathieu, tu as une minute? Non, je lis un livre très intéressant. Ce n'est pas très gentil. Je sais, mais ce livre est captivant. Est-ce que tu pourrais me rendre service? Ça dépend. Bah, ça dépend de quoi? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Mais non. Nous allons voir les voyelles ensemble. Oh, c'est trop facile. Facile pour toi, mais très utile pour nos amis. D'accord. Tu es prêt? Une seconde. Je finis ma phrase. Et maintenant, tu es prêt? On y va. A. E I O U Y. Et maintenant, combinons les voyelles avec I. A plus I. Est. E plus I est. O plus I oie. U plus I huit. Et maintenant, combinons les voyelles avec U. A plus U, O. E plus U, E. O plus U, OU. Et maintenant, combinons les voyelles avec N. A plus N
En. E plus N. En. I plus N. Un. O plus N. On. U plus N. Un. Merci beaucoup, Mathieu. De rien. À bientôt. Salut. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 11. Le champion de maths. Bonjour Alex. Tu as une minute? Oui, bien sûr. Est-ce que tu voudrais aider nos amis à faire un petit exercice de calcul? Pas de problème, avec plaisir. On peut commencer? Allez, on y va. Plus 1 égale 2. D, E, U, X. Un plus 2 égale 3. T, R, O, I, S. Un plus trois égale quatre. Q, U, A, T, R, E. Un plus quatre égale 5. C, I, N, Q. 1 plus 5 égale 6. S, I, X. 1 plus 6 égale 7. S, E, P, T. 1 plus 7 égale 8. H, U, I, T. 1 plus 8 égale 9. N, E, U, F. 1 plus 9 égale 10. D, I, X. 1. Bravo Alex! On continue encore un peu? Oui, pourquoi pas?
1 plus 10 égale 11. O, N, Z, E. 1 plus 11 égale 12. D, O, U, Z, E. 1 plus 12 égale 13. T, R, E, I, Z, E. 1 plus 13 égale 14. Q, U, A, T, O, R, Z, E. 1 plus 14 égale 15. Q, U, I, N, Z, E. 1 plus 15 égale 16. S, E, I, Z, E. 1 plus 16 égale 17. D, I, X, trait d'union, S, E, P, T. 1 plus 17 égale 18. D, I, X, trait d'union, H, U, I, T. 1 plus 18 égale 19. D, I, X, trait d'union, N, E, U, F. 1 plus 19 égale 20. V, I, N, G, T. Merci beaucoup, Alex, et à bientôt peut-être. Avec plaisir. À bientôt. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 12. À la découverte du verbe aller. Bonjour Cécilia. Tu aimes toujours la conjugaison? Oh oui. Tu veux conjuguer le verbe aller au présent? Oui, pas de problème. Attention, ça peut être un peu difficile, non? On va voir. Je vais, V, A, I, S. Tu vas, V, A, S.
elle, il va, elle va. V, A. Nous, nous allons. A, L, L, O, N, S. Vous, vous allez. A, L, L, E, Z. Ils, elles, ils vont, elles vont. V, O, N, T. Félicitations, Cécilia. Tu es vraiment très douée. Merci, monsieur. La prochaine fois, je vais te donner un verbe plus difficile. Pas de problème. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 13, de 20 à 30. Bonjour, aujourd'hui nous allons compter. Émilie va nous aider, n'est-ce pas Émilie? Oui, monsieur. Mais tu n'as pas l'air d'être contente. C'est difficile. Mais non, tu vas voir, c'est facile. D'accord. Je vais dire les nombres de 20 à 30 et tu vas les épeler. Ouh, j'ai peur. Allez, on commence avec 20. V, I, N, G, T. Très bien, tu vois que c'est facile. 21. V, I, N, G, T, trait d'union, E, T, trait d'union, U, N. 22. V, I, N, G, T, trait d'union, D, E, U, X. Bravo, tu connais bien les nombres et les lettres. Merci. 23. V, I, N, G, T, trait d'union, T, R, O, I, S. 24. V, I,
N, G, T, trait d'union, Q, U, A, T, R, E. C'est parfait. 25. V, I, N, G, T, trait d'union, C, I, N, Q. 26. V, I, N, G, T, trait d'union, S, I, X. Je trouve que tu es très forte. Merci, monsieur. 27. V, I, N, G, T, trait d'union, S, E, P, T. 28. V, I, N, G, T, trait d'union, H, U, I, T. 29. V, I, N, G, T, trait d'union, N, E, U, F. 30. T, R, E, N, T, E. Grâce à toi, nous avons appris à épeler les nombres de 20 à 30. C'était facile! Merci encore et à bientôt! De rien! Salut! Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 14. Les formes géométriques. Bonjour Alex. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Oui, bien sûr. Est-ce que tu voudrais présenter les formes géométriques? Pas de problème, avec plaisir. On peut commencer? Allez, on y va. La première? Le rectangle. La deuxième, le triangle, la troisième, le carré, la quatrième, l'étoile, la cinquième, le cercle, la sixième, le losange.
La septième. Le pentagone. La huitième. L'hexagone. Et la dernière, l'heptagone. Merci beaucoup, Alex, et à bientôt peut-être. Avec plaisir. À bientôt. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 15. Les syllabes avec la lettre B. Bonjour Mathieu. Je te dérange? Non, je lis un livre très intéressant. Est-ce que tu pourrais me rendre service? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Mais non. Je voudrais juste que tu lises des syllabes pour nos amis. Ah bon? Oui, eh bien, pas de problème. Tu peux commencer quand tu es prêt, d'accord? D'accord. Tu es prêt? Une seconde, je finis ma phrase. Et maintenant, tu es prêt? Oui, on y va. N'oublie pas que ce sont les syllabes avec la lettre B. D'accord? Oui. On y va. Bas. B. B. Beau. Bu. Bi. C'est bon? Ben non. Nous allons voir maintenant avec la voyelle I. D'accord. Baie. Baie. Bois. Buis. Et maintenant, c'est bon?
Mathieu, tu n'es pas courageux aujourd'hui. Voyons maintenant avec la voyelle U. D'accord. Beau. Beu. Bou. Merci beaucoup, Mathieu. De rien. Bon, nous te laissons avec ton livre. Merci. Au revoir. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 16. À la découverte de 20 verbes. Bonjour Nicolas. Est-ce que c'est vrai que tu adores les verbes? Oh oui, c'est vrai. C'est ma passion. Et est-ce que tu voudrais nous présenter des verbes français? Oui. Quel genre de verbe? Ben, des verbes utiles pour nos amis qui apprennent le français avec nous. Je vais proposer les 20 verbes les plus utilisés. C'est une très bonne idée. Je suis sûr que nos amis seront contents. Bon, on commence? Numéro 1. Être. Numéro 2. Avoir. Numéro 3. Faire. Numéro 4. Dire. Numéro 5. Pouvoir. Numéro 6. Aller. Numéro 7. Voir. Numéro 8. Vouloir. Numéro 9. Venir. Numéro 10. Devoir. Ce sont des verbes très utiles. Oh, merci encore. Oui, mais la liste continue. Nous avons 20 verbes. Oh, pardon. Numéro 11. Prendre.
Numéro 12. Trouver. Numéro 13. Donner. Numéro 14. Parler. Numéro 15. Mettre. Numéro 16. Savoir. Numéro 17. Passer. Numéro 18. Regarder. Numéro 19. Aimer. Numéro 20. Croire. Quelle liste formidable! Est-ce que tu pourras continuer plus tard? Oui, mais pas tout de suite. Je dois rentrer à la maison. Merci Nicolas, et à bientôt. À bientôt. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 17. Une maison formidable. Bonjour Arnaud, comment vas-tu? Très bien, je suis dans ma maison. Pardon? Tu habites dans cette petite maison? Oui, elle n'est pas aussi petite que ça. Comment ça? C'est une maison magique. Mais non, c'est juste une maison de poupée. Mais il faut me croire, cette maison est magique. Et il y a combien de pièces dans ta maison? Il y en a au moins 6. Pardon? Oui, et les pièces sont très grandes. Mais il y a quelles pièces alors dans ta maison? Une cuisine. Un salon, une salle de bain, une chambre, une salle à manger, une salle de jeu. Et tu habites tout seul? Ben oui, parce qu'il n'y a qu'une seule chambre. Et c'est toi qui fais la cuisine? Oui,
J'aime bien faire à manger. Est-ce que tu vas m'inviter un jour dans ta maison? Non, je suis désolé. Et pourquoi? C'est juste pour les enfants. Bon, eh bien, au revoir Arnaud, et à bientôt. Au revoir et à bientôt. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 18. Les additions, la table de deux. Bonjour Alex. Bonjour. Je te dérange? Non. Tu fais tes devoirs? Non. Je viens juste de finir. Tu pourrais nous aider avec les additions? Oui, pas de problème. 2 plus 1 égale 3. T-R-O-I-S. 2 plus 2 égale 4. Q-U-A-T-R-E. 2 plus 3 égale 5. C-I-N-Q. 2 plus 4 égale 6. S-I-X. 2 plus 5 égale 7. S-E-P-T. 2 plus 6 égale 8. H-U-I-T. 2 plus 7 égale 9. N-E-U-F. 2 plus 8 égale 10. D I-X. 2 plus 9 égale 11. O-N-Z-E. Bravo Alex! On continue encore un peu? Oui, pourquoi pas? 2 plus 10 égale 12. D O U Z E. 2 plus 11 égale 13. T R E I Z E. 2 plus 12 égale 14. Q U A T O R Z E. 2 plus 13 égale 15. Q-U-I-N-Z-E. 2 plus 14 égale 16. S-E-I-Z-E. 2 plus 15 égale 17. D-I-X, trait d'union, S-E-P. 2 plus 16 égale 18. D, I, X, trait d'union, H, U, I, T. 2 plus 17 égale 19. D, I, X,
trait d'union, N-E-U-F. 2 plus 18 égale 20. V-I-N-G-T. 2 plus 19 égale 21. V-I-N-G-T, trait d'union, E-T, trait d'union, U-N. 2 plus 20 égale 22. V-I-N-G-T, trait d'union, D-E-U-X. Merci beaucoup, Alex, et à bientôt peut-être. Pas de problème. À bientôt. Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 19. J'adore les voyages. Bonjour Agnès. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde les pays que je voudrais visiter. Tu aimes voyager? J'adore ça. Et tu préfères voyager comment? Je préfère le train. Et pourquoi? On a le temps de voir les paysages. Mais ce n'est pas très rapide. Ce n'est pas grave. Et pourquoi? Quand on est en vacances, on a le temps, non? Et dans quel pays voudrais-tu aller? J'aimerais bien visiter le pays du Père Noël. Il habite où? Vous ne le savez pas? Si, je sais, mais je veux que tu le dises. Oui, bien sûr. Et il habite en Finlande. Et tu voudrais partir là-bas? Oui. Tu aimes la neige? Oui. Tu aimes le froid? Oui. Eh bien, si tu veux y aller, bon voyage et à bientôt. Bonne idée. Je prépare ma valise et je pars tout de suite. Au revoir et à bientôt.
Apprenez le français avec des dialogues. Dialogue 20. À la découverte du verbe faire. Bonjour Cécilia. Bonjour. Tu voudrais conjuguer le verbe faire au présent? Avec plaisir. Attention, faire est difficile. Mais non, c'est facile. Je fais. F-A-I-S. Tu fais. F-A-I-S. Il fait, elle fait. F-A-I-T. Nous faisons. F-A-I-S-O-N-S. Vous Tu as un problème? Tu veux que je t'aide? Mais non, c'est trop facile. Je m'endors, c'est tout. Vous faites. F-A-I-T-E-S. Ils font, elles font. F-O-N-T. Félicitations, Cécilia. Merci, monsieur. Un verbe plus difficile la prochaine fois. Pas de problème. Ma liste de verbes est longue. Tant mieux. À bientôt.